TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à De Lumière et d'Être. Aujourd'hui, on va parler de succès et d'abondance avec un invité que j'adore, François Lemay, formateur, auteur et conférencier international. Bonjour François. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation Ça me pour fait vraiment euh, plaisir. Pour aborder un sujet quand même assez complexe qui mmh. est notre relation à l'argent au succès Hum. Donc, euh, parce que souvent les gens entretiennent une relation amour-haine ouais. avec la reconnaissance, le succès euh, ouais. et l'argent. Ça a été quoi, toi, ton parcours par rapport à atteindre le succès, la reconnaissance le l'argent? Mon parcours important? dans lequel je suis encore. Hein? Je ne suis pas parvenue à quelque chose, mais il y a des... je suis peut-être sortie de certaines illusions que je me faisais croire, des histoires que je me faisais croire. Quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai le succès, ça va être comme ça. Puis, je pense que mon histoire, mon expérience m'a emmené à comprendre que ce n'est pas, pas être rendu à quelque part qui t'emmène un bien-être. C'est de triper sur le voyage, finalement. C'est de, de comprendre que de temps en temps, tu sais, j'ai eu le, le, le privilège de faire une faillite, donc d'avoir des difficultés financières où est-ce qu'il les huissiers chez nous et tout ça. À, et... à, à, Attends, je t'arrête tout de suite. là. Ouais. J'ai besoin que tu répètes ça pour nos téléspectateurs ouais. qui viennent d'entendre privilège d'avoir fait ouais. une faillite. Vois, je me suis même pas entendu de le dire, mais. Parce que si c'était pas ça, j'aurais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Donc, c est, c est, souvent, c'est par la souffrance que naît la conscience. Donc, de, le privilège de faire une faillite, de ne pas me comprendre, d'avoir peur au futur, euh, de se sentir sans solution, de perdre mon connu, en fait. Hein, parce que quand tu fais faillite, tu, tu te fais saisir tes choses, tu perds ton connu, tu perds ton connu dans, ton, dans, ton, dans ton, ta, ta fausse notoriété. Mmh. C'est comme si un, un, un monde d'illusions qui dégonfle. À quelque part, quand tu fais une faillite. As tu -tu l'impression qu'une partie de toi aussi qui meurt à travers tout ça, dans le sens de toute l'identité qu'on se fait par rapport ouais. à notre profession, ouais. l'argent, dire je fais faillite, donc je suis quelqu'un, euh, tu je suis pas une bonne personne ou euh, je suis ouais. pas responsable. Est-ce qu'il y, y, y a de la honte à travers tout ça? Euh, ou... Je te dirais que ma perception d'aujourd'hui et avant, c'est différent. Aujourd'hui, si, admettons, j'avais à refaire une faillite, ça me dérangerait moins. OK. Pourtant, mais à l'époque, en... c'est quelque chose qui te touchait beaucoup. Oui, mais je m'arrange pour ne pas en faire aujourd'hui, puis je cultive une vie pour qui ressemble à ça, mais c'est rendu un chemin connu. Mmh. Je sais que ce n'est pas ma maison, ce n'est pas mon compte de banque, ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas euh, mon abondance euh, euh, matérielle, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Si jamais je refais une faillite, moi je vais te demander, je pourrais te demander de l'argent, me donner une, un coup de pouce. Si mmh. on apprend à demander, si on crée des relations, si on a, on a semé avec le temps... L'abondance va être là, même quand tu auras tout coupé, ça va se remettre à pousser. Donc, oui, ça a eu, c'est venu toucher la honte, c'est venu toucher mon estime, c'est venu toucher ma confiance en moi. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ça, c'était plus grand pour moi, hein? la, ouais, la, la, la critique, jugement. le jugement. Et euh, mais ça m'a appris à, à regarder en moins en disant Ok, tu tu t'es pas brisé. Là, il manque absolument rien. Là, maintenant, il va falloir que tu, tu te reconstruises en conscience finalement. Ça c'est un mot clé, hein? ouais. se reconstruire ouais. après une faillite. Parce que il y, y a beaucoup de gens qui après une faillite vont se dire, ben c'est impossible ouais. euh, pour moi d'atteindre l'abondance ou euh, ouais. tu je suis nul, j'ai pas les capacités de, de pouvoir le faire. Ouais. Donc euh, ça demande, j'imagine, un, un grand travail intérieur pour après ça se permettre de rêver au succès à l'abondance. Parce ouais. que toi, malgré une faillite, tu as décidé que euh, tu irais quand même marcher le chemin ouais. euh, de la reconnaissance du succès et de l'abondance. Oui, mais si je suis honnête, quand j'ai fait de ma faillite puis j'ai commencé à, 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 à vouloir cultiver l'abondance et le succès, euh, j'étais encore dans un, une illusion. T'sais, je courais après, après ma queue, comme on dit, en train, je trouverais après quelque chose que je pense qu'il allait me rendre heureux. Et positivement ou négativement, j'ai atteint ce que je cherchais. Et c'est là que j'ai fait comme wow, OK, il y a l'argent, il y a l'abondance, il y a la prospérité, les gens m'aiment, il y a des possibilités. Pff, what's next? C'est quoi que je veux? Et c'est pas, pas la. En fait, je pense qu'il faut définir c'est quoi l'abondance. L'abondance, c'est pas des millions. Mm. L'abondance, c'est pas les gens qui nous suivent. L'abondance, c'est avoir amplement ce qu'on a de besoin pour réaliser les projets qui sont là pour nous en ce moment. C'est tout. J'ai l'abondance d'air pour l'air que j'ai besoin de respirer. Ça donne rien d'avoir plus d'air. Mm. Et si je pense que quand je vais avoir plus d'air, je vais être mieux. Mais ce n'est pas mieux non plus. Je cours après quelque chose qui me manque. L'abondance, ce n'est pas avoir trop, c'est avoir amplement ce qu'on a besoin pour se réaliser maintenant, pas à la fin de nos jours, maintenant. Oui. Mais tu sais, tu penses à un point important tu sais, les gens courent ouais. après cette abondance-là. Ouais. Pourquoi Ça vient d'où, ça, ce besoin-là, hum. de, de tout le temps gravir les échelons, ouais. euh, tu sais, d'être reconnu, tu sais, d'avoir absolument besoin de la reconnaissance extérieure, d'avoir un succès, puis euh, d'avoir de l'argent. Oui. Moi, pour moi, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est un manque de et c'est un manque d'amour de soi. On est en carence. Hein? On cherche de l'énergie, puis on pense qu'en en, en allant chercher quelque chose, en devenant plus, en tirant notre épingle de jeu dans la société, on va aller chercher de la reconnaissance. Cette reconnaissance-là, c'est une énergie qui, quand on l'a, elle nous amène la paix, elle nous amène le sentiment d'être important et on se sent complet. Mais à la base, si on regarde à l'intérieur de nous, on est déjà complet. Et moi, c'est ça qui a, qui a fini par m'emmener cette vraie abondance-là dans ma vie, c'est tourner mon regard, de dire OK, attends, il ne manque rien là, là il ne manque rien. Et si tu te rebranches là-dessus, puis tu développes ta complétude, ton amour, tu rayonnes ton amour, tu es dans une gratitude de tout ce qui t'entoure, tu vas juste changer de fréquence et tu vas attirer cette abondance-là. Mais tu dois être vigilant sur ce qui te manque dans la vie. Hein, sur, sur ce que tu penses qui te manque dans la vie, oh, je suis presque rendu. Moi, j'étais celui qui était presque rendu tout le temps. Je suis presque rendu, je suis presque rendu. Donc, tu avais un plan stratégique parce que, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, ouais. à la maison, ouais. euh, bon, tu es un conférencier euh, international, un formateur, un, un auteur à succès aussi, donc euh, tu es reconnu euh, dans la francophonie mondiale. Donc, le succès est là, l'abondance financière ouais. est là, tout ça. Donc, euh, à l'époque, est-ce que tu avais une stratégie? dire euh, moi c'est ce que je veux euh, ouais. c'est ce que je, je veux atteindre j'ai jamais eu une stratégie à long terme sauf qu'une émission de télévision comme celle-là avant faisait partie d'une stratégie ok ça va m'emmener là tu comprends et ça ça a été une illusion que j'ai cultivée tellement longtemps et à chaque fois une déception que j'ai cultivée c'est à dire que je vais penser que ça va m'emmener là donc quand je vais j'ai des attentes et finalement quand je vais le vivre ça va pas m'emmener là et là je vais avoir déception Déception m'emmène mmh. dans une énergie de manque, de frustration, parce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Et là, cette, cette énergie-là va attirer à moi des, des situations conflictuelles ou résistantes ou des nœuds. Jusqu'à temps que, OK, je me mets au service, je veux vibrer, je veux triper sur mon voyage. Et l'important, c'est d'être, on est dans l'abondance qu'on est ensemble. On est des amis ensemble. Il y a des possibilités ici. De voir l'abondance. Pour avoir l'abondance, il faut que tu Si tu veux cultiver le manque, il faut que tu vois le manque. Donc c'est quand tu aiguilles ta conscience comme il faut et que tu comprends que ça part dans l'intérieur de soi. L'abondance, elle est là pour tout le monde. Et, et moi quand je suis allé la chercher cette abondance là, je me suis rendu compte que je suis allé la chercher par une suite de facteurs. Mais quand je l'ai eu pleinement, mais j'étais malheureux. Ça, c'est important qu'on prenne quelques minutes ouais. pour en parler parce que euh, beaucoup de gens ont cet idéal-là ouais. de dire, bon, ben, quand je vais faire un salaire euh, plus élevé, ouais. euh, je vais être bien, ouais. euh, je vais être heureux. Donc, et, et c'est vrai qu'en quelque part, euh, la reconnaissance, ça fait du bien. Euh, avoir euh, de l'argent dans son compte de banque, ouais. c'est sécurisant. Ouais. Mais il y a cette illusion-là de penser que... Euh, on va vivre un bonheur parfait. Ouais. Euh, et quand on, on dit aux gens, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, mm -hmm. il y en a qui vont faire, ouais, 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 mais ça aide hein, en tabarouette. Mm -hmm. Les gens ont de la difficulté à comprendre que l'argent, la reconnaissance, le succès euh, ne fait pas le bonheur. Mm -hmm. Donc, toi, tu dis que quand tu as touché justement à ce succès-là, puis mm -hmm. l'abondance financière, mm -hmm. que euh, tu n'étais pas pleinement heureux, ça se manifestait comment? Oui, en fait, c'était. Encore une fois, je t'ai pris dans mon illusion. Quand je vais être arrivé là? Quand je vais être arrivé là? je suis privilégié, j'habite en haut d'une montagne, mmh. j'ai une vue exceptionnelle, j'ai une énorme communauté, un jour je rêvais de faire des dizaines de milliers, des centaines de milliers, millions de dollars, puis à un moment donné, tu arrives à ton point, à ton rêve idéal, puis tu fais comme What's next? C'est quoi? Puis là, tu perds le sens. Tu te dis, j'ai atteint tous mes objectifs. C'est quoi le sens si tu as d'autres millions, puis encore des millions, puis plus de fans, puis wow, c'est quoi le sens? Et c'est important de perdre le sens pour le reconstruire. C'est important. C'est ça le jeu, c'est ça le process, se déconstruire et constamment se reconstruire et de comprendre que l'abondance va nous accompagner tout le long du voyage. Donc, es tu es en train de nous dire que finalement, l'être humain, il est toujours en quête tout le temps. perpétuelle, ce qui fait que quand on arrive à notre objectif... C'est pas satisfaisant, il faut, faut encore en aller fait, plus loin. La Haute-Sœur, c'est un, un homme que j'aime beaucoup qui, qui dit euh, Le but n'est pas le but, mais le sens. C'est-à-dire que le but vers lequel tu marches, c'est tout simplement dans un but de cultiver le sens. Mm -hmm. Parce que c'est pas une destination. Il n'y a, a pas de destination à atteindre. Tu sais, moi, je m'en viens ici aujourd'hui, je m'en viens ici pour toi. Pour contribuer à ta pleine réalisation à toi, puis pour que le message puisse peut-être avoir un impact sur d'autres personnes. Mais c'est pour toi d'avoir un avant tout. C'est ma quête de sens pour nourrir mon ami, puis partager un temps avec mon ami. C'est pas ça va m'emmener là, ça va me faire vendre des livres, ça va me faire ça. Je, 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 ça, ça me nourrit plus. Parce que ça, ça, je pars un sens, je fais comme mais ouais, mon compte de banque est plein, j'ai plein de monde. Pourquoi je ferais ça Mais quand je le fais dans un sens qui est profond pour moi, donc pour moi, c'est une évidence aujourd'hui que le sens se déconstruit tout le temps et se reconstruit tout le temps, mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, mais ça, ça ne se terminera jamais. Donc, es tu es en train de nous dire que finalement, quand tu as atteint le succès et, et l'abondance financière, tu as eu à te reconnecter à l'essentiel, donc de eu... te détacher du résultat extérieur. Ouais. Pour te nourrir intérieurement? J'ai eu à faire ça tout le long du processus, quand même. Mm. Soyons honnêtes, c'est pas juste à la fin, c'est tout le long du processus à me reconnecter, à m'apaiser, à m'ouvrir, à me libérer de certaines croyances limitantes, à, à miser sur moi, à mettre ma lumière sur ce que je voulais. Mais j'avais toujours le OK, mais j'ai eu un message tellement important à partager, je veux qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Donc, il faut que j'aille des fans, il faut que j'aille des likes sur Facebook, des commentaires, je veux vendre des formations, j'ai tellement un message à partager. Donc, j'étais dans une quête, dans une survie, dans un manque, en fait. C'était pas là n'était pas la paix, l'amour, le partage qui, qui gérait ma vie, en fait. C'était plutôt l'avidité, le... finalement. Et, et, et l'argent a été pour moi, c'est génial parce que j'ai connu les deux pôles, a été pour moi, l'abondance la, la, financière a été pour moi, mais si j'en rajoute le double de ça, qu'est-ce que ça fait? Oui. Le... Oh my god! Et la question la plus puissante que j'ai eu à me poser, que je me suis répété, 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 qu'est-ce qui ajouterait davantage de sens à ma vie? Qu'est-ce qui ajouterait, ajouterait davantage de sens à ma vie? Pas davantage d'argent, davantage d'opportunités, davantage de créativité, davantage de projets. Qu'est-ce qui ajouterait davantage de sens à ma vie? Ça, c'est une question... Tellement importante ouais. à se poser parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné euh, que son rêve était d'avoir un million. Ouais. Puis, euh, quand il a atteint son million, mm -hmm. euh, il, il m'a dit qu'il était rempli d'insécurité parce qu'il s'est dit tout d'un coup que je perds ce million-là, je vais aller en chercher un ouais. autre. Exactement. Puis, quand il est allé chercher son deuxième million, ben évidemment, son cercle d'amis avait changé, sa vie avait changé. Et dans ce nouveau cercle-là, il y avait des gens qui faisaient 5 millions. Et là, il ne se sentait pas à la hauteur ouais. avec son 2 millions ouais. et ses nouveaux amis ouais. qui en avaient 5. Exact. Donc, il se sentait comme un moins que rien. Ouais. Et il, il a basculé encore dans cette quête-là, cette ouais. performance-là d'aller chercher de l'argent. Puis finalement, il s'est rendu compte que. Il n'y en a pas de plafond. Ouais. Il n'y en a pas de plafond. Ouais. Euh, et, et en fait, euh, au moment où on peut atteindre une certaine sérénité, c'est justement quand on se pose la question qu'est-ce qui fait sens pour moi Exact. Mais cet ami-là, ça ressemble beaucoup à moi. C'est-à-dire que j'arrive, je touche un succès, je fais beaucoup d'argent, mais je suis entouré de gens qui sont des, perfor per, des, des performants, en fait, ouais. puis qui en font encore plus, puis encore plus, puis sky's the minute, puis on en veut encore plus. Et le problème, c'est important de le dire, c'est que ce pas l'argent le problème. C'est ma posture par rapport à l'argent. Ah. C'est tellement pas l'argent le problème. C'est pas l'autre qui en veut plus parce que c'est peut-être ce que la vie lui demande de faire à travers sa vie en ce moment. Mmh. Si toi, mis de, la vie demande de ralentir, si toi, la vie te demande contentement, si toi, la vie te demande évolution, puis ça, mets toi de tes affaires, puis toi, cultive qu ce qui fait du sens pour toi. Alors, moi, à un moment donné, ça a fait comme OK, admettons que je fais X dollars, puis mon ami en fait deux fois plus. Mais si je fais l'équivalent de mon ami, est-ce que je vais avoir plus de sens? Non. Ça veut dire que moi, ma quête n'est pas dans cette direction-là. Donc, je ne vais pas avoir plus d'abondance. L'abondance, c'est d'avoir amplement ce qu'on a besoin pour réaliser tes projets. Tu comprends? Donc, c'est dire, OK, mêle-toi de tes affaires, arrête de te comparer, arrête de juger. Ah, Qu'est-ce que la vie demande de faire à travers toi en ce moment? Réponds à ça. Et si tu réponds à ça, le succès, la prospérité, l'abondance, mmh. l'amour, tout va être là. C'est génial. On doit s'arrêter pour un instant, mais au retour de la pause, on va parler justement de la posture hein, identitaire à aborder, puis justement éviter le piège de la comparaison. Donc, on s'en va à la pause pour quelques minutes. De retour très bientôt. Restez des nôtres. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donné. <laughs> Merci de votre appui! Le 3 décembre aura lieu la 16e édition du Déjeuner Flocons de Neige au profit de Partage Vanier. Si, depuis deux ans, la formule de l'événement a changé en raison de la pandémie, les besoins de la communauté, par contre, sont toujours là, tout comme votre solidarité et votre générosité. Pour plus de détails, visitez le www.déjeunerdesflocons.com. Le Téléthon Déjeuner Flocons de Neige, vendredi 3 décembre, 8 h sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti. Normand Latour, le seul maître à bord. Et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être avec mon super invité François Lemay. On parle de notre relation à l'argent, ouais. à l'abondance, au succès. Donc, euh, tout juste avant la pause, tu parlais euh, du piège de la comparaison. Mm. Donc, euh, et, et ça, hein, beaucoup de gens souffrent de ça parce ouais. que moi, j'ai une plus petite maison que l'autre, euh, ouais. j'ai pas assez d'argent, tout ça. Donc, comment éviter ça? Ouais. Euh, ce piège-là, si on veut, à un moment donné, cesser d'être dans la performance tout le temps puis ouais. cultiver le sens, le bonheur. Donc, euh, comment ouais. éviter ça? Euh, c'est très, très, très important de comprendre ça. Euh, Socrate disait euh, connais-toi toi-même, hein, le fameux connais-toi mmh. toi-même. Pour moi, c'est impossible d'avoir une pleine réalisation, une vie dans laquelle on se réalise pleinement sans connaissance de soi. Il faut apprendre à se connaître. Moi, depuis que je suis toute jeune, je me comparais avec tout le monde. Hum. Hein, je, je, mais je jugeais tout le monde. Quand tu compares, c'est parce que tu, tu portes un jugement sur quelque chose. Donc, je jugeais, je critiquais, je trouvais que je n'étais pas à la hauteur, je manquais d'estime de moi. Et tout ce, ce schéma-là à l'intérieur de moi m'emmenait dans une énergie de manque. Constamment, constamment, constamment. Donc, je, la comparaison la comparaison génère du manque. Assurément. Et ce manque-là, oui. là, si on pourrait aller plus loin, mais ce manque-là a un impact sur notre discours intérieur, nos émotions, nos actions et notre, notre, notre vibe énergétique que l'on porte. Oui. Tout est relié au travers de tout ça. Alors, à un moment donné, quand qu on commence à comprendre ça, quand qu on commence à faire le chemin de. de, de moi, c'est la méditation qui m'a beaucoup aidé à apprendre à apaiser mon esprit, à faire l'espace, arrêter d'être réactif, arrêter de, de pointer du doigt ce que moi j'avais appris, que qui, mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais attention, la vie est dangereuse, il faut que tu juges, il faut que tu portes un jugement, bon, mauvais, correct, c'est pas correct. Mais quand tu, tu fais ça, mais tu grandis et tu te compares avec les, les meilleurs joueurs que toi si tu joues à, au, au, dans un sport quand tu es à l'école, quelqu'un qui est meilleur à l'école, quelqu'un qui est mieux habillé que toi, quelqu'un que. Euh, euh, je sais pas qui est en coupe. toi, tu n'es pas en coupe. Quand tu fais des formations en ligne, mais lui, il est en train de lancer une formation présentement, pas moi, ils sont tous en train de se donner. Puis on est toujours en train de comparer mmh. hein, si, si on n'est pas vigilant. c'est un piège. Mais c'est un piège certain parce que à chaque fois que tu compares, tu, tu brûles ton estime de soi. Tu mmh. draines ton amour vital, tu draines ton énergie. Tu prends ta lumière à la comparaison, au jugement. C'est hallucinant. Puis cette, cette énergie-là, paf, te met à tirer le manque encore une fois. Encore une fois, encore une fois. Alors, tantôt, quand. Dans, dans le premier segment, j'ai dit « mêle-toi de tes affaires ouais. ».« Mêle-toi de tes affaires », ça veut dire « arrête d'être con, laisse-les vivre ». Le problème, c'est qu'on on porte un jugement sur la vie des autres, on ne s'occupe pas de notre vie, on ne mm. s'occupe pas de nos souffrances. On ne s'occupe pas de, notre, de, nos, de nos croyances limitantes, nos perceptions limitantes. Mais de toi, de, affaires, de tes affaires, c'est laisse-les s'occuper de ses affaires, cultiver le type de vie qu'ils a envie de vivre. Et toi, cultive le type de vie que toi, tu as envie de vivre. Trouve Donc, la paix. Donc, porter ah, mais... le regard vers soi. Porter le regard vers soi, apprendre à s'observer, qui est une des grandes mmh. clés en pleine conscience. Apprendre à s'observer, mais l'observation juste, ça veut dire une observation sans jugement. Une observation wow. juste, ça veut dire accueillir ce que je suis en train de faire comme expérience présentement, apaiser mon esprit et se poser la question est-ce que c'est ce genre de schéma que je veux cultiver Est-ce que c'est ce genre de pensée que je veux cultiver Est-ce que c'est ce genre de fréquence que je vais cultiver Et sinon, bien, ouvrir notre esprit en disant qu'est-ce que j'ai envie de cultiver Quel mmh. type d'être humain que j'ai envie d'expérimenter ici Et quelle énergie je dois euh, émettre pour pouvoir attirer ce que je veux exact. aussi. Là. Donc euh, qu'est-ce que je dois euh, travailler sur moi? Là. Exact. Quelle énergie? Mais l'énergie va être l'équivalent de tes actions, ton, tes, tes émotions, tes pensées, ton discours intérieur. Donc ça va être à la base, ça va être sur quoi j'ai envie de mettre ma lumière? Hmm. On, est des êtres, on est tous des êtres de lumière, fait que sur quoi j'ai envie de mettre ma lumière? Quand je vais mettre ma lumière sur quelque chose qui m'emmène en fréquence, qui m'élève, et pour que ça m'élève et ça m'emmène en fréquence, il faut que ça fasse sens. C'est ça qui va m'emmener en fréquence. Il faut que ça fasse sens. Si ça fait sens, pouf, tu montes en fréquence. Si, tu montes, si, si ça fait sens, tu le bon discours intérieur, les bonnes pensées, les bonnes émotions, la bonne énergie, tu passes en, dans des actions cohérentes en venant faire des entrevues comme on fait aujourd'hui. Et par cause et effet, c'est l'abondance. Mmh. Finalement, le jeu, il est super simple. C'est juste qu'il faut arrêter de juger. Faut changer ces conditionnements-là, arrêter de se comparer, être dans une énergie d'amour plus que de haine, envie, jalousie ou quoi que ce soit. C'est un, un grand process, là, hein Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comme si, euh, dans un premier temps, la plupart des gens vont être dans la performance pour atteindre l'abondance, la connaissance, le succès, mais que finalement, quand on l'atteint, euh, le bonheur n'est pas nécessairement là. Ouais. Et c'est comme s'il faut, en quelque part, mourir à, à cette version-là, ouais. ces pensées-là, cette croyance-là, ouais. et euh, de se poser la question qu'est-ce qui fait sens pour moi, tourner le regard vers soi, ouais. et là, euh, cultiver un rayonnement exact. pour pouvoir trouver le bonheur dans, dans, dans ce succès-là, puis cette abondance-là. Exact. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que. Je vais le répéter encore, parce que moi, je me suis fait prendre par ce piège-là. C'est pas l'argent le problème. On diabolise l'argent mm. quand qu on ne la touche pas. Ouais, pas on, on la diabolise. C'est pas l'argent le problème. C'est ta posture. C'est la façon de vouloir aller chercher l'argent. C'est qu'elle ne vient pas, tu la veux, tu es dans une avidité. Il y en a trop, tu perds l'équilibre, tu en veux. C est, c est, on ne prend pas notre responsabilité, puis on en veut à l'argent. Puis là, on dit à cause, c'est l'argent, les problèmes dans le monde, tout ça. Non, c'est la posture intérieure des gens. On a, on a remplacé Dieu par l'argent. Hmm. Ce serait quoi la meilleure posture identitaire pour pouvoir générer euh, du succès et de l'abondance Parce qu'on n'est pas en train de dire ouais. de ne pas atteindre le succès et l'abondance, ouais. mais en fait, c'est de se dire qu'il n'est pas là le bonheur. Ouais. Donc... Mais, mais il est aussi là. Ouais. C'est le titre de mon prochain livre. C'est aussi ça la vie. Il est aussi là. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je vais porter une nuance, c'est qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter cette émission là, puis ils sont dans 70 000, 80 000, 150 000, 500 000, 700 000, un million, 2 millions, peu importe. Il est aussi là, le bonheur. Parce que c'est pas parce que j'ai touché un état à un moment donné que oh, je me suis senti vide et malheureux que tous les jours avant, j'étais vide et malheureux. Mm. Parce que ma quête, un jour, a été ça. Ma quête, un jour, tu le sais, a été de créer les événements inspire a été de créer des formations, sortir de ma zone. C'était dans ma quête et je trouvais le bonheur. Mais le problème, c'est mon illusion de quand je serai rendu. Ouais. En haut de la montagne, avec la prospérité un, un reconnu dans le développement personnel, avec l'argent, quand je serai rendu, ah Et là, tu arrives, tu es rendu, tu fais comme, c'est juste ça. C'est juste, juste ça. ça. What's next Non, c'est pas vrai que je vais cultiver encore ça, m'étourdir, puis sentir non. Oui, parce non, que ça non. draine de l'énergie d'être dans cette énormément d'énergie. Puis c'est correct. Mm. C'est correct. Donc, tu sais, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la planète, moi, j'ai pas envie de critiquer quoi que ce soit. Toi, si c'est ta quête de faire ça, fais-le. Mais mets-toi de tes affaires pour soi seul, que c'est pas leur quête. Fais-le parce que toi, c'est ta quête. Moi, j'ai ma quête. Moi, je m'occupe de mes affaires parce que quand je m'occupe de mes affaires, je suis en fréquence. Et ma fille, mon garçon, mes enfants, mes cellules goûtent à cette fréquence-là. Et mmh. c'est ça l'abondance pour moi. C'est vraiment génial. Tu parles beaucoup de euh, finalement tourner le regard vers soi, hein, de s'occuper ouais. de ses affaires à soi. Ouais. Mais c'est pas euh, toujours facile hein, pour les non. gens non, non. parce qu'on est habitué à porter le regard sur l'extérieur. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, tu es reconnu pour être un expert euh, en pleine conscience. Donc euh, ça, c'est un des outils pour pouvoir justement... Ouais. Apprendre à poser le regard sur soi, ouais. à, à se reconnaître, puis après ça, à améliorer ce qu'il y a à améliorer ou à accueillir, à aimer ce qu'il y a là ou ouais. peu importe. Donc, c'est quoi ou juste la pleine conscience? Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie? Hein? En fait, qu'est-ce qui est difficile dans ce que tu expliques? C'est de gérer l'inconnu, hmm. de gérer le passé et de gérer l'inconnu. Et ça, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on juge, c'est pour ça qu'on a peur, c'est pour ça qu'on fait de l'anxiété, c'est pour ça qu'on stresse parce qu'on essaie de, de gérer l'illusion du futur et l'illusion du passé. La pleine conscience nous invite à être ici, maintenant, à l'écoute de ce qui se passe là, dans notre corps, au travers de nos sens. <laughs> Respirer, s'apaiser, mmh. prendre de la hauteur, se demander, est-ce que je suis en train de me prendre trop sérieux et mon âme vient s'incarner dans ce corps-là ici? Est-ce que je suis en train de me prendre trop sérieux? Si je me mets à observer avec la hauteur, est-ce que la vie n'est pas assez extraordinaire? On est le plus beau miracle là, du monde. À chaque instant, on se régénère, on a la possibilité de se guérir, d'inventer, de créer, de manifester ce que l'on veut. Waouh! C'est important de se recadrer. Alors moi, la pleine conscience est venue littéralement transformer ma vie. J'ai l'impression que j'ai une autre vie, Yannick, dans cette vie-là. Mmh. Et, et la, la... La, la clé numéro un de la pleine conscience, c'est je, je fais le choix de prendre ma responsabilité sur ma vie. Mmh. La clé numéro deux, c'est faut que j'apprenne à m'observer. M'observer sans jugement, avec énormément d'amour, dans le oui, but de me. Sans se culpabiliser, là. C'est ça. Dans le but de me libérer, dans le but de me purifier, de purifier mes perceptions, mes idées préconçues, de, de ce que je pense que la vie, de ce que mon père, l'éducation, les nouvelles, tout le monde le dit. Et le problème, c'est pas les nouvelles, c'est pas mon père, c'est pas l'éducation. c'est faut que je prenne ma responsabilité, qui est clé numéro un. Ils ont fait de leur mieux avec les outils qu qu'ils avaient, leur niveau de conscience, d'intelligence. Moi, qu'est-ce que je veux maintenant De quelle façon je veux vivre ma vie Ce privilège que j'ai eu, là. Et ça demande beaucoup d'humilité de dire. OK, à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, il faut que je réapprenne à vivre. Mmh. C'est possible pour tout le monde. Et moi, ma quête, elle est là. Ma quête, elle est là de dire, OK, moi, je vais aider les gens à faire... Et toi aussi, tu es dans cette, dans cette lignée-là. Il, il, il y a de tout dans la vie. Il, puis on pourrait prendre notre temps à chialer sur ceux qui ne sont pas dans, dans la même direction que nous. Mmh. Mais toutes tes affaires cultive ta quête à toi. Et ça, tu vas être dans la prospérité, l'abondance, c'est sûr, certain. Tu dis souvent que euh, tout est toujours parfait. Ouais. C'est qu'on est toujours là où on doit être. Ouais. Donc, euh, si je pense aux téléspectateurs qui nous écoutent présentement mmh. puis qui vivent des difficultés financières puis qui ont de la difficulté puis tout ça, ouais. euh, en quoi c'est toujours parfait pour eux ouais. d'être là et de vivre cette expérience-là? Oui. Tu as déjà eu des, des contractions dans ta vie à plusieurs niveaux. Tes mamans, tu as eu des contractions en accouchant des enfants, tu as eu des contractions dans ton couple, dans tes finances, comme tous les téléspectateurs, comme ceux et celles qui sont là. Pour moi, aujourd'hui, c'est rendu une évidence de voir qu'après chaque contraction vient l'équivalent en expansion, la vie mmh. des grandes vérités universelles. C'est important de, tantôt j'ai parlé de connaissance de soi, mais connaissance de, de ce qui est aussi. On joue dans un grand jeu dans lequel il y a des lois, pas les lois gouvernementales, il y a des lois universelles que je dois apprendre à, à maîtriser. Le changement, les cycles, les causes et effets, le processus de gestation, mmh. l'attraction, la répulsion, c'est toutes des lois que j'ai besoin d'apprendre à, à maîtriser au travers de tout ça. Quand on a le nez dans notre caca, tout est toujours parfait, ça ne prend pas son sens. Mmh. Mais quand qu on. Si on pouvait faire. On pouvait avancer un peu dans les prochains mois, on dirait Oh my God, moi avec ça, j'ai tellement allumé, j'ai pris conscience de moi. Ouais. Moi avec mon burn-out, ça a transformé ma vie. Et là, on se rend compte que toutes les nous a emmené à la reconnexion de qui nous sommes. Wow. Un peu plus, en fait, nous a emmenés l'éveil. L'éveil est toujours précédé de la souffrance énorme. Mm. Donc, moi, quand je vois de la souffrance, plus qu'elle est grande, plus que c'est un éveil qui est en train de se passer. Mm. Mais ça dépend pas la posture d'intérieur. Si j'ai le nez dans mon caca, je suis au petit niveau de la conscience humaine et je ne m'élève pas au niveau de mon âme, je vais souffrir. Et plus je vais souffrir, à un moment donné, je serai plus tolérable et la vie va t'inviter à aller regarder à l'intérieur de toi. Il est là le but. Il est là le but. Et quand on regarde à l'intérieur de, de soi, on se rend compte qu'on est porté, on est guidé. À chaque instant, on s'en fait trop, on se prend trop au sérieux. C'est un, un art, c'est un grand jeu la pleine conscience, c'est un art de vivre. Mais quand on marche ce chemin-là, on l'échappe, on se rend on se maîtrise, parce que c'est bien d'avoir la connaissance, c'est la maîtrise. Que ça, c'est là-dedans de pas juger, de dire ok, j'ai fait des, des erreurs, mais j'apprends tout ça puis je me relève, puis je continue. Je, je me relève parce que la vie, la vie continue. Il y a des l'image de la nature en tout cas. Ça, c'est là que je m'en venais à l'image de la nature, il y a des inondations, il y a des tempêtes, il y a des tornades, la nature elle se relève tout le temps. Mm. Il y a des feux de forêt, j'arrive de l'Ouest canadien, il y avait des feux de forêt. Non mais c'est essentiel dans le, le processus de la nature. Mais le problème avec l'être humain, c'est qu'on veut contrôler, puis on ne veut pas souffrir nous. Mm. Là tu amènes un point euh, intéressant, c'est ouais. vrai que les gens ils veulent contrôler puis ils ont de la difficulté à euh, embrasser une contraction de vie hein, justement ouais. parce que ça fait peur. Ouais. Puis je pense que tu livres un message qui est tellement important, c'est de dire bien, euh, quand on l'accueille contraction là ce carrefour de vie là oui. ben finalement euh, il y a un gros gros potentiel de bonheur qui nous attend là. tellement tellement puis c'est pas toujours pas toujours facile à comprendre mais it's a process un pas à la fois et il y a de l'aide pour ça oui. d'ailleurs euh, François tu as écrit le livre tout est toujours parfait donc un best-seller les gens peuvent se le procurer euh, en librairie oui. Tu offres différents programmes aussi des programmes de pleine conscience hein, oui. pour apprendre à venir dans l'instant présent. Ouais. Puis tu es suivi, mon Dieu, par des centaines de milliers de personnes dans les programmes de reset, hein, de reset ouais. où, est que, justement, on peut euh, renaître euh, après euh, des épreuves ouais. de vie. Donc, euh, les gens peuvent te rejoindre euh, comment? Sur Facebook, sur YouTube, sur les, les réseaux françoislemier.ca. Bref, euh, si vous tapez Françoislamé, vous allez me voir apparaître. à Quelque part, c'est sûr. Donc, euh, puis ça, ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde qui a une intention d'apprendre euh, à se connaître. Bien, merci beaucoup, François, d'avoir été là. Ça a été un plaisir. J'espère que vous avez apprécié à la maison. On se revoit à la prochaine émission. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Yoga en Progrès, nous allons voir des poses qui nous aident à mieux dormir. Soyez les nôtres. Yoga en progrès demain dès 8h30 sur TV Rogers. Pour la prochaine émission de Vivre Ensemble. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Darlene Lozis, qui nous parlerait de son leadership, de ce qu'elle en a appris et de toute son expérience. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.